You'll have to tell me your preferences, sir, for future meals. I did what I could for this morning. Don't worry, Mrs. Gudule. Your egg was delightful, but I would prefer a kipper with my breakfast. Gudule. My name is Gudule. I heard about the kipper, but I thought it was a joke. You're going to have to get used to British customs. Ah, at the contrary, sir. I think good and French Mediterranean cuisine is exactly what you need. We are going to train a bit. As long as you remember my kipper and don't overdo it. Ah, no complaining. Plus de borgne! Mais c'est quoi ce bordel? Yes, I don't know. The music comes and the house trembles. I think it came from there. Non, mais mon vieux, c'est pas raisonnable, là. Depuis quand les fantômes se suicident? Il est dépressif. Mais vous pouvez nous voir? Mais évidemment, bougre d'âne. Les maisons hantées, moi, ça me connaît, croyez-moi. Vraiment? C'est comment son petit nom? Antoine, il s'appelle Antoine. Et vous? Moi c'est Maurice. Allez! Allez, on se relève! C'est quoi ces façons? Oh! Ça vous prend souvent ce genre de conneries? Allez, vous perturbez l'ordre naturel des choses, mon vieux! Et quand on est mort, on ne se suicide pas! Je suis désolé, c'est plus fort que moi. C'est à moi qu'elle parle, là? Depuis quand les employés de maison peuvent nous voir? On n'a plus d'intimité, là! Eh, moi ça me fait pas rire, hein, beaucoup nailler, hein? Oh, une Française! Ça lui prend souvent, ce genre de counailler, là? Une fois par semaine. Oh, fâcheux! Et depuis combien de temps ça dure? 1935. Ah, quand même, hein. Et depuis 80 ans, il a toujours pas compris qu'il était mort. C'est un crétin. Je souffre. Tu pourrais comprendre ça, non? Je souffre. Mais ça, mon vieux, fallait y penser de ton vivant. Je te signale que ce n'est pas moi qui me suis amusé à lancer des sorts débiles. Oui, il est certain que si j'avais su que je resterais coincé là, à t'entendre te lamenter toute la journée, pendant des décennies, je me serais abstenu. Alors, allons, on se calme, on arrête. On arrête, un problème après l'autre, parce que là, moi, je vais pas y arriver, hein. Oh, funérailles, ça commence. Aïe. Wow. I must say their thing of making the church tremble and everything is pretty impressive, hein? Gosh, damn! Hey, stay polite, sir, est-ce que je vous dis de le chapeau de la Sainte Vierge, moi? It's not against you, Mrs. Gudule. It's just that I can't take anymore. That's why she left me. This place ruined my life. Nah, you will see, everything will be fine. C'est vous qui avez fait partir la dame du pasteur? Oui, bah un peu tout de même. On l'a trouvé désagréable. Elle voulait qu'il abandonne sa paroisse. Oh bah. C'est surtout que monsieur était jaloux comme un tigre. Parce que, voyez-vous, cher Gudule, monsieur Maurice vit une histoire d'amour impossible avec le lugubre et ténébreux Higgins. Oh, la ferme! T'es vraiment trop con. Pendant que je meurs de chagrin et d'amour pour lui, c'est ce qui a causé votre perte, d'ailleurs. Voyez-vous. C'est un peu compliqué, votre histoire, là, hein? On va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Who are you talking to, Mrs. Gudule? Gudule, with you. To your ghost. Who else? You're seeing ghosts. Well, the moving objects, the earthquakes, and so on, it wasn't done by the Holy Spirit.
Why don't you tell them to go to hell? Tu vois, ils nous détestent. Mais c'est vrai que c'est pas très chrétien quand même. Parce que tu vas nous jouer les grenouilles de bénitier toi-même. La ferme! What? No, not you, Mr. Higgins, but you got to be nicer to your ghost. You got to respect those things. Because that's why they're making your life miserable. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle fait de la psychologie fantomatique. Un fantôme suicidaire, alors là, celle-là, on me l'avait encore jamais faite. Je dois reconnaître qu'il a une certaine classe, mais sinon... Je vois vraiment pas ce que tu les trouves. Je comprends rien. C'est un poète, un torturé. C'est mon Heathcliff à moi. Ton quoi? Heathcliff, le héros des hauts du Hurlevent. Oh, moi, tu sais, l'histoire, les lieux historiques, les intempéries, tout ça... C'est un roman abruti. Les deux farfadets, là, il va falloir y mettre du vôtre. On va faire les présentations en règle avec monsieur le curé et on va tout remettre à plat dans cette maison. Hein? Are you still talking with ghosts? I won't say you'll receive them in confession, but it'd be nice if everybody could be civilized. Talking about civilized, if you could avoid talking to the dead when I'm eating, it'd be great. It kind of spoils my appetite, Mrs. Gudule. Gudule! This salad is delightful. What is that peculiar taste? C'est l'huile de truffe, abruti. C'est anglais. En ce qui concerne les questions culinaires, c'est quand même l'âge de bronze. It's my little secret, sir. This wine tastes a bit strange. Le gland du Saint-Emilion. Voilà, j'avoue. Faut lui éduquer le palais. Ce grand cru, sir. You do not like wine? Actually, I really prefer a good beer. I think you'll find there's some in the fridge. Quel con. La bière avec l'huile de truffe, non mais... C'est de la barbarie de voir ça. Là, il y a du boulot, hein. Pardon? Non, not you, sir. Moi, j'aime bien son... côté brut de décoffrage. Oui, toi, évidemment. Tout ce qui peut te servir de garage à bite. Oh, ne sois pas vulgaire, mon canard. And here is my famous lamb. With time, I especially brought back from south of France. And a porcini sauce. You know, I prefer mint sauce, if you have any left. Tu vois, je te le dis tout le temps, c'est un sauvage. Non, mais c'est de la barbarie de voir ça. Pour une fois qu'on a de la cuisine française, enfin de la vraie cuisine, quoi. Et là, j'avoue, il est décevant. Je tuerais ma mère pour goûter ça. Elle a l'air de toucher sa bille en cuisine, la gudule. C'est sympathique d'avoir une fan chez à la maison, non? Oui. Enfin, elle est quand même un peu particulière, t'as vu son look? Oh, je vous entends, là, hein, les deux couillons. Question de look, vous pouvez parler, hein? Oh, c'est toujours pareil, hein, c'est brut, ça. Les écorchements, non. Je vais faire bouffer les cuisses de grenouille, moi, ce rose beef. Ça va être vite vu. Les deux du pont, la fantôme de mes deux, tu vas voir ce soir. Elle va finir par me le rendre malade avec ses conneries.
On s'en fout complètement, mon pauvre ami. Que ton pasteur ténébreux se tape la chiasse parce qu'il a une sorcière dans son église, excuse-moi, mais... Moi, je trouve ça plutôt hilarant. Qu'est-ce qu'il est fou ? Il vaut d'où ? Mon Dieu ! Elle va nous jeter un sort ou un truc comme ça. On est mort, abruti. On s'en fout des salamalecs du petit personnel. Et ces contrariétés, mais ça me tue. Je deviens dépressif. Oui, ça m'avait remarqué. Il a bien cherché ce connard. Il m'a tué, figurez-vous. Oui, enfin, c'est pas moi qui ai lancé une malédiction ridicule. Je rendais l'âme, abruti. Tu crois qu'on pense à ce genre de choses quand on est en train de passer l'arme à gauche? Et pourquoi vous l'avez tué, monsieur Antoine? On ne tue pas son prochain. Pour me tromper. Oui, pour ne pas mourir d'ennui avec toi. Et vous, monsieur Antoine, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai pas supporté... De lui avoir tiré dessus, je me suis mis une balle dans la tête. Oui. Depuis, monsieur est sujet à la récidive. Oui, c'est parce que je souffre beaucoup. Et qu'est-ce qui vous empêche de partir? Bah, il semblerait que j'ai dit quelques bêtises du genre qu'il resterait dans cette demeure jusqu'à ce qu'un amour véritable y voie le jour, un truc de ce goût-là, sans savoir évidemment que je resterais coincé aussi. Mais tu vois pas qu'elle est en train de nous exorciser? Pour nous faire passer dans des lumières qu'on ne voit jamais. C'est une putain de sorcière. En tout cas, vous nous avez bien fait rigoler hier soir. Ouais, j'ai un peu loupé mon coup, hein, parce que visiblement, vous êtes toujours bien là. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Et vous? On peut savoir ce qu'un couple de Français pédés, sapés comme Dupont et Dupont, sont venus crever dans une église en plein Londres? Nous sommes de grands admirateurs de Tintin. Nous étions à un bal masqué le jour où c'est arrivé. Dans une église? Non, ce salopard était venu dans le jardin du presbytère pour sauter sur ma mère. Moi aussi, j'aime beaucoup Tintin. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris. Now she's singing. No singing in the chapel. Get back to your kitchen. Oh, mais ça suffit, les bêtises, là. Il faut arrêter de faire bouger les objets comme ça, hein. Vous allez me la casser. Je m'ennuie. Eh bien, moi, votre ennui, ça me contrarie. Vous savez ce qu'il est en train de faire, là? Non, quoi? Il le regarde et il lui fait des déclarations d'amour. Déclare sa flamme à un type insipide qui ne peut même pas le voir. Heureusement d'ailleurs. Pourquoi? S'il pouvait nous voir, il ne resterait pas insensible au charme de Maurice. Tout le monde aimait Maurice. Si vous l'aviez vu danser, il était tellement élégant. Oh, je vous parle, vous faites la gueule ou quoi? Moi, je le trouve charmant, c'est Higgins. Pas très heureux de vivre, mais charmant. Bon, il y a un goût de chiottes pour la cuisine. Mais peu cher, on ne peut pas lui en vouloir, il est anglais. Le problème, c'est qu'il était volage. Il m'a brisé le cœur.
checkmate. That was a master move, Mrs. Giudio. Giudule, with a U. And yes, I have a few hidden talents. Oh, putain d'appel! Mais c'est un maniaque, ce mec! Oh, il va pas nous le faire tous les deux jours, hein? What do you say? Your ghost! He killed himself. It's his thing. See? All I can see is a chair and some rope. And I don't think it's at all funny. I mean, there's some weird things been going on around here, I know. It cost me my marriage. But suicidal ghosts, let's not push it. Il est beau quand il est en colère, hein? Oh, vous, le romantique de mes deux, vous la fermez, hein, maintenant. Although he's right. You are quite handsome when you are pissed off. It shows your wild side. Excuse me? I said I find you charming. Well, if you can talk to the dead, why don't you get them to hell out of this church? Or I might lock you up. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de mon cas? Non! What? I can't talk to everybody at the same time. Moi, si vous me provoquez, je vous préviens, je me suicide une fois par jour. Ou plus. C'est ça. Tu pourrais essayer la fenêtre, ça nous changerait. Oh, les deux ectoplasmes, là. Vous la fermez, maintenant? Il faut que je m'entende penser, moi. Oh, funéraille. You rude and arrogant French frog. Lunch is ready, by the way. It was prepared with love. Irresistible. Comment elle nous a appelés, là? Elle nous a traités d'ectoplasme. Oh. J'ai pas tout compris, là. Tu ne comprends jamais rien. C'est pas de ma faute, c'est mon anglais. Non, c'est ta connerie. Oh, Gudule, tu pourrais répondre quand on te parle. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Si elle nous nargue, on va leur foutre une peur bleue. Elle veut nous faire passer pour des cons, là, ou quoi? Tu veux pas que je me suicide? Non, parce que là, il n'y a plus que ça pour attirer leur attention. Non, mon vieux. Je crois que c'est foutu pour nous, là. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Rien. Ils sont heureux. C'est l'amour.